Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je regarde qui est là. On a les habitués, nous avons les habitués. Marwa est là, bonsoir Marwa. Hazal est là, bonjour, bonsoir. Akanksha est là, Sinsi tu es là, Damodar est là, Michel Rémy est là. Kittle, allez-y, monsieur, on attend, j'arrive. J'avais le cours Zoom, excusez-moi. Victoria Jacques est là, Berilla est là, Meronteka est là, tout le monde est là, j'ai l'impression, ça fait plaisir. Nous allons commencer. Alors, ce qu'on a fait, on avait commencé ce matin une petite chose et on va continuer, mais d'abord, bien sûr, comme d'habitude, la question habituelle. Alors attendez, on va faire comme ça. À vous la parole, regardez. Voilà. Aimez-vous rencontrer des gens qui sont très différents de vous? Et pourquoi? Je vous donne une petite minute. Vous m'écrivez une petite phrase et je ferai la correction si c'est nécessaire. Donc, la question, aimez-vous rencontrer des gens qui sont très différents de vous et pourquoi? Allez-y. Joseph nous rejoint. Bonjour Joseph. J'attends toujours vos phrases. Alors Ursula qui nous dit je suis un peu malade, mais je dois travailler. Vous êtes très très courageuse, Ursula. Alors est-ce que vous avez une petite phrase à m'écrire? Ce serait très 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 gentil. Donc la question c'était, aimez-vous rencontrer des gens qui sont très différents de vous et donc pourquoi? Hein, c'est ça qui nous intéresse. Alors voilà, ça commence. Kiton nous dit oui, j'aime bien rencontrer les gens qui ne me ressemblent pas. Faites attention, Kiton, ressembler c'est avec deux S. Pour discuter et voir le monde de nouvelles onglet, probablement, vous avez une correction automatique, faites attention, c'était angle, peut-être d'un angle nouveau. Angle, faites attention, Kittle, on écrit ça A-N-G-L-E. L'onglet, c'est ce que vous utilisez pour vos logiciels. En anglais, c'est tab et c'est onglet, faites attention. Victoria nous dit, donc oui, j'imagine, parce que toujours apprendre de nouvelles choses. Eh ben, c'est très bien. C'est Tus the World, ça va bien tout le monde? Ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Participez au cours, s'il vous plaît. Akanksha nous dit, parce que j'aime apprendre des gens de toutes les cultures. D'accord? Donc j'aime apprendre des choses des gens de toutes les cultures. C'est très bien, Akanksha. Très bien écrit aussi. Heyman, oui, pour acquérir des expériences. Très très bonne utilisation du verbe acquérir, Heyman. Félicitations. Classis, qui nous dit, oui, bien sûr. Tout le monde, alors, soit vous dites tout le monde, classis au singulier, TOUT,
le monde, ou alors tous les gens peut-être, et là vous mettez le pluriel, ont une histoire. Et la plus différente, la personne que moi, la plus intéressante, féminin, est leur histoire. Donc intéressante avec un E à la fin. Vous avez entendu le t, c'était pour dire qu'il y avait un E. Curtis qui nous dit « J'aime bien voyager ». Et quand on voyage, on rencontre des gens très différents, c'est vrai. Moi aussi j'adore voyager. C'est comme ça qu'on connaît les autres cultures. Et peut-être aussi, Curtis, qu'on se connaît soi-même aussi un petit peu plus. Messi Hanane nous dit « Oui, j'aimerais bien rencontrer des gens ». Faites attention, Messi, Jean, c'est avec un G, d'accord ? J'ai des gens différents de moi parce que j'aime avoir une vue à tout ce qui est différent et aussi j'aime être ouvert et pas fermé. Hein. Ou alors vous dites « et ne pas être fermé ». D'accord ? Donc comme ça, ce serait bien. Ensuite, Abir qui nous dit « Oui, j'aimerais rencontrer des gens qui sont différents de moi parce que j'aime apprendre quelque chose différente comme leur culture. » Oui, « chose » c'est féminin, donc « différente », mettez-le au féminin. Bacrisose, excusez-moi. « J'aime rencontrer des gens pour connaître... » Oui, alors faites attention, pour connaître leur culture. Alors « leur », vous allez être obligé de l'utiliser, L-E-U-R-S, pluriel, hein, « leur culture ». Sinsitu nous dit « Aimez-vous rencontrer... » Alors mais Sinsitu... Ah, pour... On peut... Pardon, excusez-moi, j'avais pas vu. On peut connaître leur culture et leur religion. D'accord. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que ça explique souvent beaucoup de choses chez les gens. Berilla nous dit « J'aime rencontrer des gens qui sont très différents. » Ouais, faites attention, Berilla, ça va être différent, mais il n'y a pas le « e », d'accord. Juste « ts hein, », parce que c'est masculin pluriel, différent de moi parce que cela peut me donner une meilleure perspective de vie. Ça, c'est formidable. Marois, oui, j'aime rencontrer des gens d'autres cultures. Alors faites attention, Marois, en fait, autre, mais comme c'est un adjectif, il doit aussi être au pluriel. Alors vous allez mettre le S à la fin de votre autre, hein, parce que il est connecté à culture et culture, il est pluriel. Car je le trouve intéressant. Très bien. Alors ensuite, Sing with me Alexa, il y a quatre petits cœurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est probablement possible. Ou positif, j'imagine, je ne sais pas. Joseph, j'aime qu'il y a des choses importantes que j'apprends d'eux. D'accord, très bien. Chose, c'est féminin, donc ça doit être importante. Avec le féminin, Joseph. Michel, Rémi, parce que j'aime apprendre de nouvelles choses, des gens et surtout des choses qui me sont bénéfiques. Parfaitement écrit, Michel. Alors là, félicitations, c'est magnifique. Daria, j'aimerais rencontrer des gens différents de moi pour avoir une nouvelle vision de la vie, partager la sagesse, les faits intéressants. Vous n'avez pas d'accent, ok? Sur leur pays et coutumes pour... Ah, c'est de... Oui, expanser, peut-être développer, pour agrandir, pour... oui, expanser, on n'utilise pas trop. Hein. Sushmita qui nous dit « Bonjour Vincent, bonjour, bonjour Sushmita. » Claudia, ça dépend, à mon avis, parce qu'il y a des gens qui sont différents de moi, mais je peux discuter avec eux parce qu'ils sont tolérants. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas comme ça. C'est vrai, Claudia. On n'a pas envie de discuter avec des gens qui ne sont pas tolérants. C'est pas intéressant. Ice Cubes. Oui, j'aime rencontrer des gens qui sont très différents parce que j'aime... Attention, Ice Cubes. Verbe à l'infinitif après. Apprendre les autres cultures. Donc ça, c'était bien. Beakert qui dit... pour moi, les gens très intéressants, ils veulent quelque chose, ils parlent différemment parce que les gens ont une culture différente. Bickert, il faut conjuguer les verbes. Hein.
Vous pouvez pas mettre avoir juste après les gens, hein. Il faut conjuguer. Ikram qui nous dit, j'aime bien rencontrer des gens différents que moi pour qu'on puisse discuter. Ouais, c'est pas la peine d'utiliser la forme pronominale pour se discuter, hein, pour qu'on puisse discuter. Hein. Par contre, magnifique subjonctif, Ikram. Critiquer, être critiqué et échanger. Alors faites attention, Ikram, être critiqué, là vous commencez à faire un passif, ok? Vous mettez être, donc après votre critiquer, eh ben, c'est pas un infinitif, mais ça doit être le participe passé. Donc vous mettez l'accent, soit vous mettez le e parce que vous mettez le féminin, ça pourrait être le pluriel, etc. Échanger les idées entre nous, la différence est très importante. Oui, Meron TK, j'aime bien les gens, rencontrer les cultures parce que j'apprendrai beaucoup de choses, d'accord? Mohana, oui, j'aime rencontrer des gens très différents. Pardon, des gens très différents, culture. Ouais, faites des gens de cultures différentes. Parce que j'aime beaucoup apprendre, pas de, leur culture et différentes langues. Michel, finalement, qui nous dit, ça me plaît beaucoup, car je peux apprendre beaucoup de choses, comme les cultures, les langues, les plats, et aussi nous avons beaucoup de choses pour discuter ou à discuter. J'aime voyager, ça m'intéresse beaucoup. Très bien, Cosmina qui vient là, elle était courageuse, Cosmina, parce que Cosmina, elle a participé au cours Zoom et elle a parlé et elle parle très bien français. Félicitations, vous étiez courageuse et je dis bravo. Et elle nous écrit, oui, j'aime rencontrer des gens différents parce que j'ai besoin de diversité et en plus je peux exercer mes pouvoirs de persuasion. Et découvrir de nouvelles choses. Ah, il faut exercer les pouvoirs de persuasion. Attention, si vous discutez avec Cosmina Bellou, ça va être dangereux. Allez, on continue. Et nous avions commencé tout à l'heure avec ce qui. J'avais juste dit aux gens que donc dans le matin on a fait ce qui, dans la matinée on a fait ce qui, et l'idée ce serait de faire ce qui et ce que. Donc on va le faire très rapidement. La première partie, on va répéter juste pour que ce soit clair. Je voudrais que dans chaque phrase que je vais vous demander, que vous utilisiez la structure ce qui. D'accord? Alors on y va et on commence avec la première. Alors, avant de regarder, parce que ça va arriver très rapidement, je vois juste que Ursula nous avait dit, oui, j'aimerais bien rencontrer des gens qui sont très différents, parce que, attention, Ursula, c'est en deux mots, hein, parce que je voulais savoir beaucoup de choses, c'est très bien. Et Irène était la dernière, je n'aime pas, ouais, Irène, faites attention, le E dans votre ne doit disparaître. Je n'aime pas rencontrer des gens différents de moi parce que je ne sais pas comment discuter. Ouais, discuter avec eux. D'accord, Irène? Alors maintenant, ça commence à arriver. Donc, ici, on voulait utiliser la structure ce qui. Et donc, je pense que tout le monde a à peu près compris. Oui. Alors Diana qui me dit bonjour du Kazakhstan, j'espère que vous allez bien. Oui, tout le monde fait attention, Diana, pas de problème. Merci, merci, Diana. Donc ce qui est intéressant, Victoria, attention, on utilisait vraiment ici l'adjectif intéressant qui est connecté plutôt avec être, ce qui est intéressant. Donc là, je pense que c'est clair. Adriel a un doute, mais Adriel. C'est correct, Adriel. Félicitations. Ce qui est intéressant, OS Amachri. Oui, pas de problème. Regardons le suivant. Même concept, hein. Ce qui, et après un adjectif,
et l'adjectif doit être au masculin, s'il vous plaît. Mais c'est toujours bizarre cette chanson-là. On va la mettre de côté. Alors, Mauricio pose la question, quel est l'objectif de ce cours? Eh bien, Mauricio, l'objectif de ce cours, c'est de faire des exercices. Vous participez, vous regardez, vous suivez les instructions et vous apprendrez des choses, Mauricio. Alors là, nous sommes d'accord, hein, on va essayer de le faire rapidement, celui-là. Donc, ce qui, c'est la structure que nous allons utiliser. Ensuite, on met notre verbe être ici et on met notre adjectif au masculin. Ce qui est beau. Allez, on continue avec celui-ci. Alors, Craig, oh, I'm bored. Well, in that case, I guess it's not a lesson for you, Craig. Alors, nous sommes... Oh, Ashley est là. Je ne savais plus. Je suis surpris, Ashley. Il n'était plus là, mais je ne sais pas ce qu'il devient. Alors, ici, ce qui est bon... oui, tout le monde est à peu près d'accord. Pas de problème. Ce qui est bon... Donc, on est d'accord que l'adjectif devrait être au masculin. Attention, Ursula. Bien, c'est un adverbe. Okay, donc, on va utiliser l'adjectif... Bon. Adriel, je ne sais pas si vous êtes toujours sur bon ou beau. Faites attention, ce serait peut-être mieux de mettre bon ici. D'accord. Bon, je pense que tout le monde a compris la logique. On continue. Donc là, on se retrouve avec une structure un peu plus longue. Alors là, idéalement, on utilisait le verbe passionné dans la deuxième partie. Alors faites attention à Ashley, parce que c'est un petit peu une erreur assez classique, me fait passionner ou me rend passionné. On a un verbe qui est un verbe régulier, qui est le verbe passionné, qui n'est pas très complexe à conjuguer. Donc idéalement, là, j'aimais bien la structure « ce qui m'intéresse ». Donc là, je pense que c'est pas trop problématique. Je regarde vos réponses. « Ce qui m'intéresse ». Et après ça, « me ». Et vous mettez juste le verbe « passionné » que vous allez conjuguer. « Ce qui m'intéresse me passionne ». D'accord ?« Ce qui m'intéresse me passionne ». Donc là, il n'y a pas trop de problème. Ensuite, je regarde... Très bien. Sushmita qui dit la même question, changer. Sushmita, j'ai pas compris votre question. Changer de quoi? Alors, ce qui
Alors attendez, ce qui m'intéresse me passionne. Kittle, merci à ce qui fait l'animation de ce cours. Non, Kittle, c'est merci à la personne qui fait. Non, c'est pas ce. On peut pas utiliser ce pour une personne, Kittle. C'est pas possible. Abir nous dit ce qui m'intéresse me. Oui, presque correct, Abir. Attention, passionne, vous allez conjuguer votre verbe, Abir. D'accord? Là, vous avez mis le verbe à l'infinitif, mais en fait, vous êtes obligé quand même de le conjuguer parce que ce qui m'intéresse, c'est le sujet. C'est un sujet. Et donc, vous allez conjuguer le verbe passionner à la troisième personne. Save the best, ce qui m'intéresse me passionne, c'est parfait. Ikram, ce qui m'intéresse me passionne, c'est magnifique. Victoria, ce qui m'intéresse, donc le R il n'est pas là, me passionne. Ouais, attention Victoria, il y a deux N pour passionne. Curtis, c'est bon. Faites attention Marois. Oui, ok. Si vous voulez utiliser cette structure avec rendre, bon. On serait obligé de la structurer différemment. Ce qui m'intéresse me rend, donc là vous le conjuguez quand même, passionné, mais c'est pas vraiment la même chose, hein. Et puis c'est un petit peu plus lourd, mais ce serait possible. Me rend passionné, mais c'est un petit peu différent quand même, Marois. Mohana, ce qui m'intéresse me passionne. Ashley qui nous propose une deuxième version, mais qui est toujours un petit peu, oui, passionnette. Ah, ça n'existe pas encore ce verbe-là. Je suis désolé. Alors regardons la suite. Et voilà, donnez-moi la traduction, s'il vous plaît. Alors, et Ashley qui est toujours, toujours le premier quand il est efficace, ce qui me rend triste, me rend faible. Ouais, regardez. Alors, il y a un verbe qui est le verbe attrister. Ce qui m'attriste me rend faible. Abir nous donne ce que j'avais écrit. Alors, Michel nous propose aussi le verbe, parce qu'il y a un verbe qui est affaiblir, hein, on avait vu ça tout à l'heure. Donc tout ça c'est possible. Ce qui m'attriste me rend faible pour I just called, c'est bon. Berilla, ce qui m'attriste, faites attention. Alors Abdullah a effacé Ice Cubes. Ce qui m'attriste me rend faible, oui, c'est bien. Hein, donc là vous avez bien compris la structure. Classis, faites attention. Ce qui m'attriste, hein, ici on va utiliser le verbe. Me rend faible. D'accord? Alors, Victoria, ce qui m'attriste me rend faible, c'est parfait. Diana, c'est bien. Kittle, faites attention, Kittle. On a vraiment le verbe attrister. Vous voyez, ici, c'est surprendre. Et c'est un petit peu différent quand même, Kittle. C'est pas la même chose. Hein. Michel, ce qui m'attriste me rend faible. Michel Rémy, c'est parfait. Cetus de Wales, ce qui m'attriste me rend faible, parfait aussi. Claudia, c'est bien. Marois, ouais. Faites attention, Marois. Le verbe, c'est attrister, hein, ce qui m'attriste. Regardez Bickert en dessous, c'est la même. Et c'est la forme correcte. Raomé, ce qui me provoque de la tristesse m'affaiblit. Oui, c'est un peu lourd, Raomé, c'est clair. On comprend, mais.
Provoque la tristesse, on a un verbe et le verbe c'est attrister, d'accord? Mais c'était bien comme idée de mettre ça. Save the best, ce qui m'attriste me rend faible. Oui, donc là on était d'accord. Bon bah écoutez, voilà, il n'y a pas de problème. On continue avec cette phrase-là et puis après l'idée c'est qu'on va s'orienter vers ce que. Alors, Hazal demande pourquoi est-ce qu'on utilise rend avant. Rendre faible, rendre fort, rendre beau, rendre. C'est des structures qu'on peut utiliser assez facilement avec un adjectif après. Alors, et Ashley nous propose ce qui ne m'intéresse pas, me. Et ouais, alors faites attention, Ashley, parce que ça, c'est aussi une erreur assez classique. Ici, ce qui ne m'intéresse pas, c'est un sujet. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'après, si vous regardez ici, alors déranger, on aurait pu le prendre, c'est pas un problème, mais il faut le conjuguer. Ce qui ne m'intéresse pas, me. Et là, vous conjuguez votre verbe à la troisième personne, dérange. C'est ça vraiment le concept. Ici, ce qui ne m'intéresse pas, ce qui ne me plaît pas, toutes ces choses-là, c'est des sujets. C'est vraiment des sujets. Donc, on considère que c'est troisième personne du singulier. Habir, ce qui ne m'attriste pas, m'ennuie. Ouais, j'utilisais plutôt plaire ici ou intéresser. Si vous voulez intéresser, je l'accepte. Et déranger, Claudia, ce qui ne m'intéresse pas me dérange, je l'accepte aussi, hein. J'avais mis ennuyé personnellement, mais déranger, c'est tout à fait correct. Alors, Cetus de Wales, ce qui n'intéresse pas me déplaît. Oui, on peut négocier. Je pourrais dire oui, mais c'est pas vraiment la traduction directe de bother. Bother, ce serait vraiment ici ennuyer, déranger, mais déplaire, ça dépend du contexte. Classis, ce qui ne m'intéresse pas, faudrait, ouais, ne m'intéresse pas, m'ennuie, hein. On est obligé de mettre les pronoms. Sincitu, ce qui ne m'intéresse pas, me. Et là, oui, dérange, on est d'accord pour Ashley. Très bien. Bah, je vois que, bon, si vous avez compris la construction, ça c'est une chose vraiment fondamentale. On va continuer maintenant. Donc, comme je vous avais dit, la première partie c'était ce qui. Et donc, ce qui c'est pour le sujet de la phrase qui suit. Après ça, on va bien sûr voir ce que. Et donc, le ce que. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous me donniez la traduction de cette petite chose-là. Alors, Kittle pose une question. J'ai une question, s'il vous plaît. Quand peut-on supprimer ne? C'est un grand sujet, mais pour simplifier les choses, ça dépend du contexte, Kittle. Si c'est une communication, si c'est une interaction informelle, en général, on va retirer ne. Donc, vous ne dites pas je ne peux pas, mais je peux pas. Contexte informel, et ça, c'est fondamental. Si la situation est formelle, si c'est une situation professionnelle, si c'est une communication avec des professeurs, vraiment quelque chose de sérieux, mettez les deux parties de la négation. C'est vraiment important.
Alors ici, nous sommes dans ce que. Donc nous sommes d'accord que ce que, nous allons l'utiliser, ce que, et après, on doit utiliser justement le sujet du verbe. Ce que, je, il devrait être là, aime. Bien sûr, le verbe commence avec une voyelle, le son d'une voyelle, donc le E disparaît et apostrophe. Ce que j'aime. Mohana propose ce que j'adore. I just called propose ce que j'adore. Pas de problème, pas de problème. Tout est correct ici. C'est une question d'intensité. Ici, ce que, c'est la chose fondamentale. D'accord ? Donc, Daria pose la question entre ce que et ce qui. Daria, ce qui, c'était sujet. Et c'était pour ça, Daria, que je disais, il faut conjuguer le verbe après. Hein, ce qui est bon, le sujet, c'est ce qui. Ici, ce que, ça n'est pas le sujet, c'est complément d'objet direct. Et donc, il y a un sujet. Ce que, je, c'est le sujet du verbe, aime. Ce que, j'aime. D'accord ? On va continuer, donc, dans la même logique. Et Daria, vous allez voir, après, ce sera clair. Rory, attention Rory, ce que, j'aime. Alors, Ashley pose une question intéressante et il dit, est-ce que qui est en général suivi d'un verbe ? Ben, réfléchissez. Alors, ici, Ashley, c'est une structure ce qui, hein, donc c'est un petit peu différent. Mais si votre question, c'est pour les questions, oui, qui acceptes-tu ce soir ? Qui invites-tu ? Etc. Mais faites attention parce que ici, c'est un petit peu différent. Ici, on utilise le ce qui ou ce que. Ce qui, ici, va remplacer un sujet. Hein, c'est ça qui est fondamental. Donc, il faut juste faire attention entre les deux qui, c'est pas les mêmes, c'est pas la même fonction. Alors, Rory, il est arrivé en retard. Et Rory, il n'a pas vu la première partie avec ce qui. Et donc, il nous propose des choses intéressantes. Ici, l'idée, c'est d'utiliser la structure ce que. D'accord, Rory ? Systématiquement, ce sera ce que. Pourquoi ? On utilise le que et le qui, ici c'est grammatical, Rory. C'est-à-dire ce n'est pas connecté à l'idée de who ou what. Pas du tout. Ici c'est juste connecté à qui pour le sujet, que pour le complément d'objet direct. D'accord ? Donc, pas de problème. Alors, pas de problème, Rory. Alors là, mon plaisir. Je suis heureux de vous aider. Donc, ici, finalement, on veut la structure « ce que j'admire ». Vous voyez ? Et en fait, on utilise « ce que » et après, vous avez le sujet « je » et le verbe « admire ».« Ce que j'admire ». Et en général, la phrase continue. Regardons la suite.
mais je n'avais pas vu que Isobel était arrivée. C'était la compétition habituelle entre Ashley et Isobel. Donc oui, les deux ont la bonne forme. Ce que tu fais. Et donc là, c'est. Faites attention, Meron, fait avec un S. Fais. Rory, là, c'est bon, impeccable. X, c'est bien. Faites attention. Si vous mettez le fait, souvenez-vous que c'est Fais. Le sujet, hein, c'est vraiment tu. Tu fais, donc Fais, ce que tu fais. Alors, Classis nous donne le vous. Et c'était une option, bien sûr, hein, ce que vous faites, et c'est très bien conjugué, Classis, donc félicitations. Morana, faites attention, ce que, hein, on utilise la structure systématiquement ce que, hein, ce que vous faites, on garde l'ordre. Cosmina, ben c'est bien ce que vous faites, c'est parfait. Marwa, ce que tu fais, donc c'est parfait aussi. Bickert, ce que tu fais, très bien. Anas, c'est un petit peu bizarre, oui. Anas a effacé son message. Allez, on continue avec ça. Alors faites attention, Michel Rémy, parce que Michel Rémy, vous avez mis ce que vous. Souvenez-vous, le verbe faire. Tenez, regardez Cosmina Bellou, un tout petit peu au-dessus de vous. Quand on conjugue faire au présent, il est vraiment bizarre. Je fais, tu fais, il fait. Pas de problème. Nous faisons, vous faites. Faites. Et ils, elles font. Alors, ici c'était nous, Ashley. Je ne sais pas pourquoi vous êtes parti dans. Oui. Regardons ce que nous voulons. Alors, Nira, faites attention, c'était nous, hein, pour le sujet. Ce que nous voulons. Abir, c'est bien. Meron, pas de problème. Raomé, c'est bien. Kittle, on. Faites attention, si vous voulez mettre le on, dans ce cas-là, vous mettez vœu avec un T. Veut. Et là, je peux l'accepter. Avec le X, malheureusement, je ne peux pas. Classis, même chose. Ce qu'on veut, avec le T, c'est magnifique. Classis. Ce que nous voulons, nous dit Michel Rémy. Berilla, c'est bien. Irène, c'est parfait. Joseph nous donne les deux possibilités. Attention, Joseph. Ce qu'on veut, donc Q apostrophe, hein, le E doit disparaître. Hein. Cosmina, c'était bien. Victoria, c'est parfait. Cetus the world, ce que nous voulons, c'est très bien aussi. I just call, pas de problème. Rory, oui. Rory, on peut faire ce qu'on veut, ou on peut dire ce que nous voulons. C'est comme vous voulez. Anas, faites attention, c'était nous ou on. Là, j'acceptais les deux. Alors, regardons maintenant la suite. Alors là, je vois que maintenant, c'est Isobel qui a repris la main, comme on dit. Ce que tu dis m'intéresse et c'est magnifiquement écrit. Ashley, juste après. Daria, c'est bien. Cosmina, c'est bien aussi. Faites attention, il y a deux S. Claudia, c'était bien. Kangsha, pas de problème. Ce que tu dis m'intéresse. Rory, ça va. Ouais. Marwa, c'est formidable. Raoumé aussi, Ice Cube, ce que tu dis m'intéresse, d'accord.
Je regarde. Faites attention. Ah, Joseph était parti pour le vous. Attendez, je vais être obligé de revenir sur vous, Joseph. C'est allé trop rapidement. Alors, Joseph, ce que vous... Ouais, faites attention, Joseph, parce que le verbe dire, il est bizarre aussi quand vous le conjuguez. C'est comme le verbe faire. Donc, écoutez, je dis, tu dis, il dit. Donc là, pas de problème. SST, comme d'habitude. Nous disons, Joseph. Vous dites, D-I-T-E-S. Ok, Joseph? Donc, ce que vous dites m'intéresse. Mais là, le reste, ce serait parfait. Curtis, c'était bien. Berilla, Berilla, vous avez écrit beaucoup de choses. Ce que tu dis m'intéresse. Donc là, c'est bon. Hic, c'était bon. Ensuite, j'étais en train de regarder. Alors, ensuite, je regarde. Irène, c'était bien. Michel. Alors, Michel Rémy, vous avez utilisé ça au passé composé. Ce que tu as dit m'intéresse. Oui, pourquoi pas. Faites attention si vous dites tu as dit. Donc, tu as dit DIT. Et ce sera un petit peu plus correct. Sinon, je regarde les autres messages. Apparemment, José Pessoa est un petit peu énervé. Il a envie d'insulter les gens. Relaxez-vous, José. Tout va bien. Tout va bien, José. La vie est belle. Rogelio, ce que tu dis. M'intéresse, d'accord. Bicot qui dit ce que vous dites m'intéresse. Très bien. Merci beaucoup. Alors regardez, nous allons continuer, si vous voulez, avec cette phrase-là. Allez-y, je vous donne une petite minute. Alors là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'Ashley et Isobel sont en train de se battre pour savoir qui sera le ou la première. Alors attention, et Ashley a donné la bonne réponse parce qu'il a bien conjugué le verbe rendre à la troisième personne. Isobel, vous étiez trop généreuse. Vous avez donné effectivement le S. Alors donc, moi, ma version, c'est ce que tu dis me rend triste. Habir utilise le verbe attrister, Ice Cubes aussi, et c'est parfait. C'est parfait. Akanksha, c'est pareil. Ce que vous dites m'attriste, c'est bien. On est d'accord. Vous pouvez utiliser rendre triste. On avait vu attrister. C'est tout à fait correct. Berilla, attention, m'attriste. Attendez, attendez, Berilla, je regarde. Ouais, regardez Berilla. Berilla, ce que tu dis. Ah, tu me dis, c'est ce que vous vouliez dire. Ok, vous pourriez mettre le pronom. Ce que tu me dis, pourquoi pas, mais donc dans ce cas-là, vous mettez le tu me dis, DIS. Hein, le sujet de dit, c'est vraiment tu. D'accord? M'attriste. Joseph, me fait triste. Joseph, en général, on utilise plutôt rendre, c'est-à-dire on n'utilise pas vraiment faire ici. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ce que tu dis me rend triste de I just called, c'est bien. Save the best, ce que tu dis me rend triste, c'est parfait. Save the best. Rory, ce que tu dis me rend triste, avec un petit personnage triste. Merci Rory. Raomé, ce que tu dis me rend triste, c'est bien. Classis, qui avait choisi le verbe attrister, c'est parfait. Bah, écoutez, apparemment, tout le monde. Je pense que tout le monde a trouvé. Regardons la prochaine phrase, s'il vous plaît. Thank you.
Alors, toutes mes excuses à Ashley. Ashley, je dois m'excuser terriblement. Je voulais calmer un petit peu notre utilisateur José, qui était un petit peu trop vigoureux et qui envoyait des messages. Et malheureusement, j'ai cliqué pas sur vous. Je suis désolé, Ashley. Je suis vraiment désolé. Donc apparemment, il y aura une petite période de 5 minutes pendant laquelle vous ne pourrez pas participer. Et je ne peux pas désactiver. Je suis vraiment désolé, Ashley. Toutes mes excuses. Alors, nous étions à la recherche de ce que tu dis me fait rire. Alors, je suis en train de regarder ce que vous avez écrit. Pour l'instant, tout va bien. Ce que tu dis me. Faites attention, Kitan, c'est pas vraiment rigole. Rigoler, c'est rire. Ici, l'idée, c'est faire rire. Et c'est un petit peu différent. Ensuite, ce que tu dis me rend souriant, nous dit Anas. Pas vraiment ici, c'est vraiment l'expression faire rire quelqu'un. Alors, on pourrait l'utiliser avec ce que vous dites, si quelqu'un l'avait mis. Je regarde ce que tu dis, hic, me fait rire. C'est parfait, pas de problème. Alors, Isobel, elle est contente parce que. Parce que Isobel, elle pourra être première pendant 5 minutes. Mais attendez, Isobel, parce que dans 5 minutes, Ashley, j'espère, reviendra. En tout cas, on espère. Je suis vraiment désolé, Ashley. Pardon, pardon. Alors là, j'imagine qu'effectivement, c'est Ashley qui doit être triste de voir Isobel qui est la première maintenant, parce qu'elle est la première à nous dire ce que tu dis m'inquiète. Marwa, c'est très bien aussi ce que tu dis m'inquiète. Daria, ce que tu dis m'inquiète, c'est bien. Ensuite, Berilla, parfait Berilla. Cosmina Bellou, m'ennuie. Oui, je pourrais l'accepter, m'ennuie. Hein. Ennuyer, c'est tout à fait correct, c'est synonyme. Pas de problème, Claudia, ce que tu dis m'inquiète, c'est bien. Ice Cubes aussi, Rory, c'est parfait. Hélène, bonsoir Hélène, ce que tu dis m'inquiète, c'est très bien. Michel Rémy, alors ce que vous dites me dérange. Je pourrais, ça dépend du contexte, hein, mais on pourrait l'accepter dans certaines situations. Sin situ, c'est bien. Méron, c'est bien aussi. Faites attention, c'est tu dis. Hein, Méron, c'est pas tu sais. Ça n'existe pas en français. Hic, ce que tu dis me fait peur ou m'inquiète. Ouais, j'accepte les deux. Ce serait bien, effectivement. Les deux structures sont bonnes. Mohana, c'est bien. Cetus, c'est parfait. Classis, ouais. Ensuite, Bacchrysose, ce que tu me dis manque. C'est bizarre votre structure. J'ai du mal à comprendre. Manque. Non, probable. Non, j'ai du mal à vraiment comprendre. Idéalement, c'est inquiété. Oui, ce serait vraiment mieux avec inquiété, vous savez. C'est Monta Curti, ce que tu dis m'inquiète. Raoumé, c'est bien. Très bien. Bah, écoutez, tout le monde. Victoria, c'est bien. Avec l'accent, et c'était magnifique. Kito, faites attention. Ce que tu dis, DIS. Hein, il faut conjuguer le verbe. Et m'inquiète, vous devez le conjuguer aussi avec un E accent aigu. Regardons la suite. All right.
Oh, il est de retour, Ashley est là. Et Ashley, pour m'excuser, j'accepte tout ce que vous écrivez. Tout ce que vous écrivez est acceptable. Alors, ce que tu fais, c'est tes affaires. Ouais. Non, vous pouvez le laisser au pluriel. C'est ton affaire. On pourrait aussi l'accepter au singulier, mais en général, on le met au pluriel. Il y a le verbe regarder. Alors, je ne sais pas ce que les autres. Claudia, ce que tu fais. Ouais, Isobel, te concerne. Ce serait bien aussi. Moi, j'avais choisi te regarde, mais te concerne, ce serait bien. Ensuite, et ton affaire, tes affaires, ça c'est ce que vous voulez, oui. Faites attention, Rory, c'est pas ta affaire, hein. C'est vraiment ton affaire, te regarde, te concerne, comme on avait Michel Rémy qui est un petit peu plus. Ce que tu fais, c'est ton business. alors, on, si c'est un contexte qui n'est pas formel, Michel Rémy, on peut l'accepter. On entend, c'est ton business, c'est mon business, c'est votre business. C'est acceptable. Mais attention, dans un contexte, dans une situation informelle, d'accord ? Si c'est formel, n'utilisez pas cette expression. Kittle, ce que tu fais est ton affaire. Oui, affaire avec E. C'est tu salues, c'est ton affaire. Oui, hic. Et ton affaire, c'est bien. Donc ça, je les accepte. Ce que tu fais, te regarde. Ursula, Victoria, c'est ce que j'avais mis. Hein, donc, te regarde, te concerne, tout ça, c'était acceptable. Regardons la suite. Isobel, c'est la première, et Isobel, elle a compris l'idée de l'exercice. En tout cas, là, j'essaye effectivement de retravailler sur le verbe regarder en introduisant, bien sûr, ici un pronom différent. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ce que tu fais, me regarde. D'accord. Alors, Ashley posait la question, et bon, c'est une bonne question, c'est-à-dire pourquoi le deuxième verbe est conjugué. Ben en fait, le deuxième verbe, alors attendez, je dois, voilà, activer, c'est bon. Ashley, la question c'est, quel est le sujet du verbe regarder? Et en fait, le sujet du verbe regarder, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est le sujet. C'est-à-dire que c'est bizarre, effectivement, parce que c'est pas un mot, c'est pas juste le chien, le chat, mais ce que tu fais, ça va être le sujet du verbe. Et donc, comme tout à l'heure, on avait avec ce qui est beau, me rend joyeux. C'est-à-dire que ces formes-là sont des sujets de verbe. Donc, vous devez conjuguer le verbe en fonction du sujet. Le sujet, ce que tu fais, on suppose que c'est troisième personne du singulier. Ce que tu fais me regarde. Ce que tu fais me concerne, etc., etc. Alors, je regarde ce que vous m'avez mis. Ouais, idéalement, vraiment, l'idée, c'était de travailler sur cette structure avec regarder ou concerner, hein, on avait utilisé concerner comme hic. Ikram nous donne toutes les versions et c'est bien. Ce que tu fais
est mon affaire, ce que tu fais me regarde, ce que tu fais me concerne. Faites attention, Ikram, pour le dernier, ce que tu fais, FIS. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de travailler sur ces structures. Et donc là, on va utiliser regarder avec le pronom me. Ce que tu fais me regarde. Alors, Ice Cube, ce que tu fais est sujet. Ben oui. Imaginez, Ice Cubes, ce que tu fais est beau. C'est la même chose. Ce que tu fais est intéressant. Ce que tu fais est sympathique. Et le « est » ici, le verbe « être », vous le conjuguez en fonction de quoi? En fonction de ce que tu fais. Donc ce que tu fais est un sujet ici dans cette structure Ice Cubes. Là vous êtes un petit peu perturbé parce qu'il y a le me juste avant. Me n'est pas sujet. Hein. Ce que tu fais regarde moi. Hein. Mais vous savez que en français on met les pronoms avant le verbe. Ce que tu fais me regarde. Me n'est pas sujet du tout. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Alors, on va continuer, si vous voulez bien, avec la même logique. Essayez de respecter la même logique et comme ça, on va voir si vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Alors là, on est dans la même logique. Hein. Là, on continue. C'est toujours la même structure et c'est toujours la même logique avec le même verbe. Donc, ce que tu fais nous regarde. Hein. Là, on est sur les mêmes pronoms, les pronoms compléments d'objet direct. Donc, ce que tu fais me regarde, ce que tu fais te regarde, ce que tu fais le ou la regarde, ce que tu fais nous regarde, vous regarde, les regarde. Donc ici, c'était nous. Marois, faites attention, Marois, ce que tu fais nous regarde. On va vraiment mettre le pronom nous avant le verbe. Ikram, c'est bon. Rory, c'est bon. Mohana, faites attention. Sinsitu, faites attention, Sinsitu, tu fais avec un S. Hein. On reste sur le même verbe, c'est le verbe faire. On le conjugue avec un S. Je regarde, Classis, ce que tu fais nous regarde, c'est bien, Berry, il n'a pas de problème. Oui, bah, écoutez, tout va bien pour l'instant. Eyman, ce que vous faites est mes affaires. Faites attention, Eyman, je pense que vous êtes, on n'est pas synchronisé, donc rafraîchissez votre page. Et allez, on va faire ça aussi, et on va probablement finir avec celle-là. Et alors là, la question, c'était de savoir ce que tu fais. Non, je dis bravo à Ice Cubes parce que Ice Cubes a réussi à trouver la logique. On est ici dans les pronoms compléments d'objet direct. Je vous avais dit juste avant, donc me, te,
Le, la, nous, vous, les. Ce que tu fais, les regarde. Je pense qu'on aura probablement l'occasion de travailler sur les pronoms compléments d'objets directs et indirects prochainement. Cosmina, c'était bien. Kittle, faites attention, c'était un petit peu olé olé. Ikram, c'était bien, je crois. Attendez, je dois remonter, Ikram. Ouais, pas de problème, Ikram, c'est bien. Joseph, attention, c'est pas l'heure. Michel Rémy, c'est pas l'heure non plus. Bakri, c'est pas l'heure non plus. Ok, je pense qu'on va faire quelque chose sur les pronoms COD très, très, très prochainement. Bon, donc en tout cas, c'était intéressant. Je pense que, et j'espère que si c'est pas clair, il faudrait vraiment que vous retravailliez juste sur cette structure-là. Hein. Je voulais juste faire une structure qui se répète, comme ça vous pouvez facilement vous souvenir. Donc, ce que tu fais me regarde. Ce que tu fais te regarde. Ce que tu fais le la regarde. Ce que tu fais nous regarde. Ce que tu fais vous regarde. Ce que tu fais les regarde. Et c'était le dernier. Voilà. Merci beaucoup. Regardez ici, c'est cette semaine. Donc cette semaine, le programme, c'est assez simple, c'est comme la semaine dernière. On commence à 10h, heure de Paris. Ensuite, à 16h, on a le cours Zoom. Et à 17h, on a les exercices, ben, comme on a eu juste aujourd'hui et maintenant. Donc, je vous remercie. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée. Ça dépend d'où vous êtes. En tout cas, faites attention. Ne sortez pas, restez à l'intérieur et protégez-vous. Au revoir et à bientôt. Thank you.